À l'honneur aujourd'hui, Grande Champagne, l'équipe réserve en D4 départemental, qui a inscrit 4 buts face à Saint-Olé-Chalignac. On regarde le but sélectionné. Nicolas, l'analyse, Nicolas qui a le redoutable honneur de manier la palette en l'absence de Kevin. Ouais, la palette à Kéké, la fameuse. Donc tout démarre, on va le voir, avec une touche qui est rapidement jouée. Et du coup, stop, Johan, s'il te plaît, on voit que le défenseur, un peu passif, c'est moins qu'on puisse dire, il est déjà à 2 contre 1. Donc le numéro 10 l'a vu, il va transmettre à son ailier, on peut redémarrer. Et là, un centre très vicieux. Compliqué à gérer, du coup le gardien sort à sa rencontre et dégage ce qu'il faut absolument jamais faire dans l'axe. Et là on voit le numéro 8, il a tout vu déjà, plat du pied sécurité, ça rentre, petit filet, il est un peu chanceux à l'arrivée, mais c'est un beau but. Et un gardien en survêtement, Nicolas, vous validez, vous l'ancien gardien? Ah, moi j'étais fan des survêtements, je ne jouais jamais en short, sinon vous avez tous les dimanches des pizzas sur les pistes. Donc, je suis fan du gardien en survêtement. Bon, le lauréat de cette semaine est Grégory Gilardot de Grande Champagne, qui gagne donc un bon d'achat de 30 euros chez notre partenaire Stadium La Couronne. Merci Nicolas, on termine avec l'agenda du week-end. Jingle.